En couture. En jumelé par carte d'or et jumelé à canet et tis à ma car, le bras de car, tu te trompes dans la fabrique, mais me toque à tant que mon dédale, je peux s'asseoir. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'aller plus vite et découvrir autant de sujets que je peux aujourd'hui. En tant que messager, donc aussi responsable de sécurité, est-ce que vous avez souvent accompagné votre père lorsqu'il se déplaçait à Phnom Penh pour des réunions? Mais est-ce que vous y alliez souvent à Phnom Penh? C'était ça la question. Je sais, j'imagine que vous ne participiez pas activement aux réunions, mais est-ce que vous accompagnez votre père à Phnom Penh et donc jusqu'au bureau du commerce assez fréquemment? Est-ce que vous pouvez nous dire qui convoquait votre père à ces différentes réunions? Merci, nous allons revenir sur cette question à la suite. Est-ce que vous vous souvenez si votre père et donc vous-même vous êtes rendu à Phnom Penh dans le mois qui a suivi la libération de Phnom Penh le 17 avril 1975, c'est-à-dire au mois de mai 1975, est-ce que vous êtes venu avec lui à Phnom Penh? Pouvez-vous nous dire à quel type de réunion ou de rassemblement votre père a participé en mai 1975? Merci. Lorsqu'il s'est déplacé à Phnom Penh en mai 1975, l'accompagnait. Est-ce que vous souvenez où avait eu lieu ce grand rassemblement ou ce rassemblement en mai 1975 à Phnom Penh? Jambang kanang nui nuk start.
Merci. Est-ce que vous-même vous y étiez au stade durant cette période? Merci. Somokun. Je voudrais maintenant venir à d'autres types de réunions qui ont lieu par la suite. Qui votre père rencontrait-il en général à Phnom Penh parmi les dirigeants du parti lorsqu'il s'y rendait? Si vous le savez. Je ne sais pas si vous le savez. Je ne sais pas si vous le savez. Est-ce que vous savez à quel endroit il allait pour les réunions auxquelles il participait? Monsieur le Président, je voudrais lire un extrait du procès-verbal d'audition de Monsieur le témoin, E3/57. Et l'extrait se situe à la page 5 en Khmer, A0028-7704. En français, c'est à la page 5 et en anglais, à la page 4. Et la question qui est posée est de savoir, est-ce que vous aviez reçu des messages concernant la purge des Cham ou des Vietnamiens? Réponse, à l'époque, il n'y en avait pas. S'il y en avait, cela se faisait pendant le congrès de lors de la session politique à Phnom Penh. En général, on convoquait les chefs de région et des districts pour étudier au centre. C'est mal traduit en français, on a dit comité central, mais je crois que c'est le centre. Le chef de région et de district allait étudier à quatre trois à tour de rôle. Fin de citation. Est-ce que, monsieur le témoin, cela vous rafraîchit la mémoire sur le fait que le chef de région qui était votre père ainsi que des districts étudiait parfois à quatre trois ou tenait des réunions sur place? ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអត់ច្បាស់ទេខ្ញុំតាមណាគាត់ថាមករៀនសូត្រហ្នឹងមកមានតួនាទីគាត់ខ្ញុំមកបានតែធំតែកន្លែងពិធីកម្ម 105 ban somo kun. Est-ce qu'à part des réunions, votre père Tha Leng allait aussi à Phnom Penh pour de grandes assemblées annuelles à l'occasion, par exemple, du 17 avril ou du 30 septembre chaque année? Est-ce que vous-même, il vous est arrivé de vous rendre au stade pour assister à de grandes célébrations, à ces occasions du 17 avril ou du 30 septembre? Je vous ai dit que vous avez été arrivé à ce stade pour assister à de grandes célébrations, à ces occasions du 17 avril ou du 30 Qui parmi les dirigeants que vous connaissiez depuis B20 a pris la parole lorsque vous avez assisté à une de ces grandes assemblées? Est-ce
Est-ce que votre père ou vous-même avez assisté à des sessions d'études politiques à Borei-Kela? Merci. Une fois que votre père rentrait de Phnom Penh, après des réunions, des rassemblements, est-ce qu'il était d'usage que votre père convoque une ou plusieurs réunions du secteur 105 pour expliquer à ses cadres et aux membres du secteur 105 les instructions qu'il avait reçues? Est-ce que vous savez sur quel sujet, sur quoi portaient ces réunions en général qui reflétaient les instructions directives reçues à Phnom Penh? À part votre père et le cadre qui l'accompagnait à Phnom Penh, est-ce qu'il y avait d'autres occasions où des cadres du secteur 105 devaient se déplacer à Phnom Penh, donc d'autres cadres à part votre père, pour des réunions ou des formations? Est-ce qu'il était fréquent que des cadres du secteur 105 convoqués à des réunions Je n'ai pas eu la traduction en français, si on pouvait la voir. Merci. Qui, selon ce que vous savez, puisque vous travaillez au secteur du télégramme, avait convoqué ces cadres du secteur 105 qui ne sont plus revenus par la suite, qui, au niveau du centre, envoyait ces télégrammes? Oui, merci. Ça, ce sont les télégrammes envoyés par le secteur A870, mais ici, il s'agit de convocations à des réunions au centre, et donc des convocations venant du centre. Et donc, est-ce que c'était 870, est-ce que c'était des individus particuliers qui envoyaient ces convocations?
Merci. Je vais lire un extrait de votre procès-verbal d'audition E3-58. C'est le premier procès-verbal d'audition daté du 21 novembre 2008. C'est à la page 4, en Khmer, IRN 0 2 3 9 9 3 7. En français, c'est la page 4 et en anglais également page 4. Et voilà ce que vous avez déclaré aux enquêteurs. Je cite, à part cela, Nun Chia a envoyé à la région comme Atta Sopir, membre de la région chargée de l'armée ou chef de l'armée de région, ou à mon père et à d'autres des messages dactylographiques dans lesquels ils ont été convoqués à des formations à Phnom Penh. Mon père et Ta Kampun, adjoint de la région, ont été exécutés à la formation ultérieure. Avant la convocation de ces derniers à la formation, il y avait eu une dactylographie en lettres normales, non confidentielles, de la part de Nun Chia, adressée au bureau K-17, pour convoquer à une formation l'adjoint de la région chargé de l'éducation, nommé Ta So Kim An, alias May, et un chef de district nommé Cham. Et ils ont également disparu pour toujours. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit? Et comment savez-vous que c'était Nun Chia qui a envoyé ces convocations? จำบ้านอยู่ๆมีม่องเด้อนั้นบ่พัดมันบ้านนี่ภิกษุเจ้าก็ดัก 807 แต่กะหาวนี่นึงคือดัก Je tout tao. Et concernant la convocation à une formation de May et de Cham, est-ce que c'était bien Noon qui avait envoyé cette convocation ou bien Tess-Hem? Noon. Ta hao cầm lăng hao ấy cái khang ông luôn còn là hao. Et concernant Ta Chun, c'est H-U-O-N, Ta Chun, qui l'avait convoqué à Phnom Penh? Est-ce que vous vous souvenez si Ta Chun ainsi que May et Cham ont été arrêtés lorsque vous étiez toujours au secteur 105, c'est-à-dire avant la mort de votre père? Pour les besoins de la transcription, Monsieur le Président, nous avons aussi un document E3-1645 où apparaît notamment le nom de Ta Chun sous le numéro 128 de cette liste de prisonniers de S21 datée du 23 novembre 1977. Il y a également au dossier
en passant la confession S21 de Sokim An alias Achar Mey, qui est datée du 26 octobre 1977 et qui porte la référence D175-3.78. Monsieur le témoin, à part les cadres que je viens déjà de citer, et que vous avez cité vous-même, est-ce qu'il y a eu de nombreuses arrestations et transferts à Phnom Penh au sein de la division 920 dans le secteur 105, quand vous y étiez? ខ្ញុំនៅនោះអត់តានមានចាប់ទ្រង់ទ្រីធំទេមានតែក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានតែ 3 រូបហ្នឹងឯងមានជួនហ្នឹងជាប្អូនម្ដាយខ្ញុំបកើតក្នុងហ្នឹងដែរតែពុកម៉ៃហើយប្រចាំទៅ 3 នាក់ទេហ្នឹងឯងក្រោយមកខាងកម្ពួនរយ 20 ហ្នឹងក្រោយមកទៀតទៅបច្ចៈប៉ុណ្ណឹង Je vais revenir sur ce point. À partir de quelle période avez-vous commencé à travailler au décodage des télégrammes dans le secteur 105? Est-ce que c'était, comme je crois que vous l'avez dit ce matin, déjà avant avril 75 ou après avril 75? Donc, est-ce que votre père recevait des télégrammes du centre avant 1975? Quand je dis centre, ça pouvait être de l'endroit où les Khmer Rouge de l'époque se trouvaient dans le Pagan, bien sûr. Est-ce que vous savez sur quoi portait ce télégramme que vous étiez chargé de décoder? Quels étaient en général la teneur de ce télégramme? Je pense que c'est tout à l'heure, je pense que c'est tout à l'heure. Est-ce qu'à l'époque, parmi les instructions, parlait-on déjà des ennemis? À partir de quand en a-t-on parlé? Est-ce que c'était après 75, si c'était le cas? Concernant votre qualification en tant que décodeur ou encodeur de télégrammes, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes allé à Phnom Penh pour une formation complémentaire sur les codes secrets des télégrammes entre 75 et fin 77? Est-ce que vous pourriez expliquer très rapidement à la chambre quelle était la procédure par laquelle le télégramme qui était reçu
été ensuite décodé au secteur 105. Comment concrètement cela passait-il? Lorsqu'un télégramme venant du centre arrivait au secteur 105, les différentes étapes de ce processus de décodage. មកពីមជ្ឈិមហើយមកដល់តំបន់100 ក្រាមនោះមកពីមជ្ឈិមមកឬក៏យើងវាយចេញវាមជ្ឈិមមកគាត់សួរទូលេខមិនអត់យល់វិធីរៀបការឬក៏វិធីសេលេចចូលលោកដំណើរការបញ្ញាតាំងសំណួរសាយថ្មីម្ដងទៀតសាក់សីមិនយល់សំណួរទេមិនអាចឆ្លើយបានទេ Merci. Là, je voudrais simplement parler de la procédure selon laquelle les télégrammes qui provenaient du centre, qui arrivaient au secteur 105, destinés à votre père, étaient reçus d'abord et ensuite décodés avant que le message puisse être donné à votre père. ដំបូងអ្នកខាងវៃអង្គលីលេខនិងទទួលអង្គលីលេខនេះផ្សេងហើយអ្នកបកសានេះផ្សេងវាអត់មានតាក់ទិនគ្នាទេពីព្រោះដើម្បីរក្សាការសម្ងាត់នឹងរវាងអ្នកទទួលទួលលេខហើយនិងអ្នកបកសាគេមិនអោយទៅប្រាក់ជំពិនគ្នាទេហើយអ្នកបកសាគេយល់តែវិធីបកសាអាដែលលេខកូដសម្ងាត់ដែលទៅលាក់ការទៀតហ្នឹងតមេហ្នឹងមិនគេយល់បានគេដឹងគេមានលេខសម្ងាត់ពិតគេមិនជាន់ទៀត Est-ce qu'il y avait différents types de télégrammes? Autrement dit, est-ce qu'il y avait des télégrammes qui n'étaient pas codés? Est-ce qu'il y en avait qui étaient codés avec un code simple? Est-ce qu'il y en avait qui avaient un code plus compliqué, plus complexe? Est-ce que vous-même maîtrisiez l'ensemble de ces codes ou bien y avait-il des codes qui étaient Quels étaient alors les codes que vous ne pouviez pas déchiffrer? Ce que je veux dire, sur quoi portaient les télégrammes que vous ne pouviez pas déchiffrer, qui étaient peut-être de nature plus confidentielle? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Est-ce que votre père vous en a parlé? យើងបកចេញមកវាចេញជាលេខមិនតែគេមានកូដលេខឲ្យនឹងលេខហ្នឹងគេដឹងគ្នាគេរវាងខាងលើនិងខាងលើលេខ1របស់មកលេខ1ហ្នឹងជាស្អីគេដឹងគ្នាគេយ៉ាងយីម៉ូគេផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទ Vous avez dit devant les juges d'instruction, c'est le document E3/58,
en Khmer à la page 4, IRN 00-23-99-3-7, en français et en anglais également à la page 4, vous avez dit ce qui suit. Pour le travail de sécurité, j'envoyais Anuchia, alias ou frère numéro 2, mes dactylographies, pour lesquels il existait des codes secrets qui devaient être écrits en lettres confidentielles que je ne me suis pas encore rappelé. Je ne pouvais pas connaître le contenu de ces lettres confidentielles et c'était uniquement mon père qui était capable de le connaître car il y avait encore un autre code secret pour pouvoir les lire. Fin de citation. Monsieur le témoin, pouvez-vous nous expliquer comment vous faisiez pour transmettre ces différents télégrammes qui possédaient un autre code secret que vous n'aviez pas accès. Pouvez-vous nous expliquer concrètement comment vous saviez que vous deviez envoyer ça à Anuchia et que ça concernait le travail de sécurité? ជាលេខដូចអក្សរសម្ងាត់ណាជាលេខដូចជាលេខយើងយកអត់ដឹងទេថាខ្លឹមសារលេខប្រហែលលេខ 100 102អញ្ចឹងជាលេខស្អីយើងអត់ដឹងទេវាមានតែលេខទាំងអស់ប៉ុន្តែចំណងជើងវាដបងនេះជូនបងទី 2 អញ្ចឹងហើយលេខប៉ុន្តែលេខហ្នឹងគាត់ទៅបកខ្លួនឯងតើយើងអត់មានបកឲ្យទេអាហ្នឹងគេហៅអក្សរសម្ងាត់មកជាន់ទៀតហើយយើងអត់យល់ន័យទេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹង Tại chúng nó chứ nó phải chạy đôi phải chạy mình nhé, đôi mà chút bong xây chẳng tới lúc nó ăn kia ọt lẹ tiền nè. Và tên này nó phải chết trên chỉ lê chẳng ọ. À, mà dàng tiết bị thả đọc tung là dừng đi nó. Mà tệ này nó xây xây nó có miên lập bò, miên lập bò, miên lập ca xây. Vì trên dược bọ chỉ lê chứ, vì trên dạ sò. Chỉ dạ sò bạp dừng mà. Để chua co, chua kho, chua co, chẳng tới bọ phí lê nó. Vì trên dạ sò bạp cọp đâu. Merci. Alors, je vais poser encore d'autres questions sur ces télégrammes qui provenaient du centre du parti ou qui étaient envoyés par votre père du secteur 105. Pouvez-vous nous dire qui, au sein du secteur 105, à part votre père, avait le droit de communiquer directement par télégramme avec le centre du parti? Est-ce qu'il y avait quelqu'un au centre du secteur 105, à part votre père, qui pouvait communiquer avec le centre du parti par télégramme? Je n'ai pas le droit de communiquer avec le centre du parti. Merci. En passant, puisque la division 920 avait également un bureau de télégramme. Est-ce qu'il y avait des télégrammes qui étaient échangés entre le secteur 105 et le commandement de la division 920? Est-ce qu'il y avait des télégrammes qui étaient échangés entre le secteur 105 et le commandement? Est-ce que vous savez, vous avez parlé tout à l'heure du bureau 870 du centre du parti. Est-ce que vous connaissiez les fonctions de ce bureau 870?
Si vous n'en connaissez pas les fonctions, est-ce que vous savez quel cadre ou quel dirigeant travaillait au bureau 870 du centre? C'est-à-dire, quand un télégramme est adressé au bureau 870, effectivement le recevait? Et ici, quand vous parlez de homme-homme, des oncles, savez-vous ce que cela recouvrait? Qui étaient ces oncles? Merci. Est-ce qu'il est arrivé que le secteur 105 reçoive des télégrammes de Pol Pot lui-même? Ou bien que le secteur 105 adresse des télégrammes à Pol Pot nommément sans mentionner le terme générique de bureau 870? Vous avez mentionné tout à l'heure que Nunchia a envoyé des convocations à des réunions à des cadres du secteur 105, et j'ai lu un extrait où vous avez dit que des messages confidentiels étaient adressés à Nunchia concernant le travail de sécurité. Comment Nunchia était-il désigné sur ce type de télégramme? តើគេចាត់តាំងនួនជាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងទូរលេខដែលផ្ញើទៅគាត់នោះតាមសារនឹកមកឪពុកខ្ញុំគាត់ហៅបងបាទខ្ញុំមិនខ្ញុំអ្នកហៅទេបាទខ្ញុំចាច់ Merci. Est-ce que Nunchia a envoyé des télégrammes au secteur comportant des instructions sur le travail de sécurité? Je vais lire, Monsieur le Président, avec votre permission, un extrait à nouveau du procès-verbal d'audition de M. Témoin qui porte la référence E3-58, en Khmer, c'est la page 4, IRN 00239937, en français, page 4, et en anglais, page 4 également. C'est un extrait qui suit celui que j'ai lu tout à l'heure, dans lequel il était dit que pour le travail de sécurité, vous envoyez à Nunchia vos télégrammes pour lesquels il existait des codes secrets. Alors je vais lire un autre extrait. Je cite: avant le décès de mon père, Nunchia donnait continuellement des directions portant sur le travail de sécurité, sur la vigilance, de peur qu'il y ait des ennemis vietnamiens ou des ennemis infiltrés, sur l'ambition des Vietnamiens, sur le travail moral qui devait être rediffusé au district.
Et suit alors une autre partie de l'extrait où l'on parle des convocations adressées à certains cadres pour participer à des formations à Phnom Penh qu'on a déjà lu et ces cadres n'étant pas revus. Est-ce que vous vous souvenez donc que Nunchia a donné des directions, des instructions sur le travail de sécurité et la vigilance vis-à-vis des ennemis dans les télégrammes? Est-ce que cette instruction, est-ce que vous pouvez préciser si ça s'agit bien d'instructions communiquées par télégramme ou y a-t-il également des instructions communiquées lors des réunions? Est-ce que dans cette partie la réponse que vous donnez, est-ce que vous visez des télégrammes spécifiquement ou également des instructions reçues lors de réunions à Phnom Penh auxquelles votre père aurait participé? Merci. Quand vous parlez de vigilance vis-à-vis des ennemis, de quoi parlez-vous? Que voulait dire ce terme vigilance sur les Khmers rouge? ខ្មាំងវាយគ្នាតាមព្រំដែនក៏វាយអាខ្មាំងអាគ្នាអាអត់ទូជាទុកចិត្តគ្នាហ្នឹងក៏វាកុំវាច្រើនណាស់ដែរគេនរហ្នឹងដូច្នេះវាទាំងពីរនៃវាទាំងពីរគេណែនាំខ្ញុំវិញនិយាយទៅវាវែងឆ្ងាយបាទវាពន្យល់គ្នាអារឿងខ្មាំងហ្នឹងវាច្រើនណាស់គេនរហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹង Très bien, pour faire court, lorsqu'on parle d'ennemis infiltrés dans ce contexte, de quoi s'agissait-il? Nous avons dit que ຈະນອນນັ້ນຈຶ່ງດອກທີ່ 1 ດອກໃສ່ໃກ້ຕົກຈິດເລັກឲ្យຖືອີ່ Est-ce que certains cadres dans le secteur 105 ont pu être accusés d'être des espions ou des traîtres au parti? Dans ce cas, il y a des gens qui ont été accusés d'être des espions ou des traîtres au parti. Dans ce cas, il y a des gens qui ont été accusés d'être des espions ou des traîtres au parti. ໄມ້ໂດຍຕຈູນອີ່ນັ້ນគេថាខ្សែ
Merci pour ces précisions. Alors, est-ce que le secteur 105 recevait-il en plus des télégrammes qui étaient signés 870, des télégrammes d'un dénommé Deun, D-O-E-U-N? Dos ra ưa nâng nô. Ất miên này bạn, ất chấm này mẹ. Đây mệt miên này bạn. Est-ce que le secteur 105 a reçu des télégrammes de Kyu Sampan lui-même? Je vais lire, Monsieur le Président, avec votre autorisation, un autre extrait du même procès-verbal d'audition E3-58, toujours à la page 4 en Khmer, IRN 00-239-93-37. Page 4 en français et en anglais également. Et voilà ce que dit le témoin à une réponse à une question des juges d'instruction. Je cite, si c'était les questions de matériel, de santé ou d'action sociale et celles en dehors de la question de sécurité, il fallait taper des écritures normales, non confidentielles, et les envoyer à Kyu Sampan, alias Hem. Et quand il donnait des directions et me les renvoyait, il y a posé sa signature et marqué son nom, Hem. Par exemple, quand il organisait le travail pour les régions, la région Kadisset devait ordonner au secteur de commerce ou d'économie d'aller prendre au comité central le matériel tel que du carburant, des machines, des pièces détachées, des médicaments, du tissu. Quant au centre, il lui arrivait également de demander aux régions de lui envoyer du riz. Fin de citation. Et tout à l'heure, vous avez effectivement mentionné que Hem pouvait être un destinataire ou un signataire de télégramme. Est-ce que vous confirmez cette séparation, c'est-à-dire que quand il s'agissait de sécurité, il fallait... C'était l'Unchia qui a envoyé le télégramme ou il fallait lui adresser des télégrammes quand il s'agissait d'autres questions matérielles, il s'agissait là de Kyu Sampan. Je suis un peu plus de temps. Merci. À propos de cet extrait, est-ce qu'il est arrivé souvent que le secteur 105 envoie du riz au centre? Est-ce que dans le secteur 105, il y a eu des problèmes de malnutrition ou de famine de la population dans les coopératives et ailleurs entre 1975 et la fin de 1977? Nous avons eu des problèmes de malnutrition.
Mais malgré cela, le riz était envoyé deux fois par an à Phnom Penh, c'est bien cela? Khi nơi thay bản to nhà sâu từ Phnom Penh một năm pì đòn chăng mình thế? Bà. J'aimerais maintenant montrer un certain nombre de télégrammes à monsieur le témoin, puisqu'il a travaillé au service d'encodage et de décodage des télégrammes de son père. Et avec votre autorisation, monsieur le président, je voudrais lui montrer et ainsi qu'afficher le document E3-1191. Et commencer par celui-là avant d'autres télégrammes. Alors les télégrammes que je vais montrer sont assez courts, en général ils ne font qu'une page. Ce télégramme E3-1191 date du 12 octobre 1976 et porte la référence télégramme 00 envoyé par Leng, L-A-I-N-G, au bien-aimé et respecté camarade Dun. Et l'on y parle de 105. Je vais lire les deux premiers points. Premièrement, nous sommes arrivés à 105 le 11 octobre à 3h de l'après-midi. Deux, j'ai encore changé mon nom. Je dois m'appeler désormais le camarade Chan. En français, il y a une erreur, il est marqué Pan, mais en fait, en anglais, Chan. En Khmer, c'est bien Chan, C-H-H-A-N. Chan. Je vous prie d'utiliser impérativement le nom de camarade Chan, C-H-H-A-N, etc. Là, non, là. Alors, monsieur le témoin, il s'agit d'un télégramme reçu au centre, et donc décodé au centre. Malgré tout, est-ce que l'expéditeur Leng sur ce télégramme est votre père? Tu le lèche, mais Leng, c'est un peu plus grand. Oui, c'est Si vous n'avez pas vu ce télégramme-ci, est-ce que vous pouvez cependant nous dire si les différentes mentions qui se trouvent sur ce télégramme correspondent au télégramme que vous décodier à l'époque, c'est-à-dire au-dessus, vous voyez un numéro, télégramme 2.00. Ensuite, il y a le destinataire qui est mentionné. Puis, il y a le corps du texte, suivi de vœux de bonne santé et de victoire, de la date et de la signature, en l'occurrence, de votre père. Est-ce que vous reconnaissez ce type de format concernant le télégramme qui était expédié du secteur 105? Bon, yang kuat ni tu kafe cerah bon, yang cuap tapi baglan. Nanti saya cang yang na, tu bercak mui bon. Saya mah kuat kuat cebah, lirik hoi ban. Merci. Quel était le nom de ce frère? Hai bon, pro lok nung. Mais bon, pour avoir bon frère.
bong trai chmu han nung ba Merci. Dans ce télégramme, Leng, votre père, dit qu'il doit désormais s'appeler Chan, C-H-A-N. Et il répète une deuxième fois qu'il faut maintenant utiliser impérativement ce nom pour communiquer avec lui. Est-ce que vous avez entendu ce nom de Chan qui était utilisé par votre père dans des télégrammes? Chan, En anglais, il est marqué Chan, C-H-A-N. En français, une fois, il est marqué Pan, P-H-A-N, et une autre fois, Chan. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un problème d'interprétation de traduction. En tout cas, l'écriture en khmer est chaque fois la même. Je vous demanderai de lire alors le paragraphe 2. Le nom qui est mentionné, c'est ce nom-là qu'il faudra qu'on utilise par la suite, effectivement, s'il s'agit bien de votre père. ខ្ញុំសួរថាតើឈ្មោះឆានហ្នឹងពិតជាឈ្មោះឪពុករបស់លោកមែនទេឈ្មោះផានហ្នឹងឈ្មោះតកូលតកូលដែលហៅឪពុកខ្ញុំហ្នឹងគេហៅផានដែរជាតាខ្ញុំហ្មងទៅបច្ចៈប៉ុណ្ណឹងបាទតែឪពុកដាក់ឆានដូចអត់មានទេតែចង់ច្បាស់ដូចថាចង់សួរបងខ្ញុំសិនពីព្រោះ Merci. Alors, je voudrais montrer un autre document Donc je demande l'autorisation de pouvoir lui montrer le document et de l'afficher à l'écran, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit donc d'un télégramme. Vous constatez, Monsieur le témoin, qu'il s'agit d'envoyer par Leng. Est-ce qu'il s'agit là aussi de votre père qui signe ce télégramme? Alors, c'est adressé au cher frère Noon. Pouvez-vous nous dire quel est le
le nom de cette personne. Tout à l'heure, vous avez dit que Noun, ce serait Noun Chia. Vous confirmez ça sur ce télégramme? Noun Chia, c'est Noun Chia. Là, vous avez dit que Noun Chia, Noun Chia, c'est Noun Chia. I'm sorry, I need to object. Thank you, Mr. President. I think perhaps the first question should be, is the witness familiar with this document? បើសិនជាគាត់ថាអត់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះឃើញថាការបកប្រែមិនឃើញថាសាក់សីឆ្លាតបែបនោះទេហើយតាមពិតហើយយើងគាត់ស្គាល់ឈ្មោះឪពុកគាត់គឺជាការពិតគឺត្រូវស្គាល់ប៉ុន្តែថាតើគាត់ស្គាល់ឯកសារនេះពីមុនឬមិនមុននេះគឺថានឹងគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវចោទនោះបាទ សាក់សីនេះអាចបញ្ជាក់អំពីរបៀបដែលគាត់និយាយទៅកាន់នួនជាឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រើពាក្យថាបកជូនបងនួនជាជាទីស្នេហានិករលឹកជាដើមនេះខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំនួនជាហើយយើងក៏ដឹងដែរថាសាក់សីគាត់ដឹងឪពុកគាត់ឈ្មោះអីដូច្នេះប៉ុន្តែនៅក្នុងឯកសារនេះហើយមិនបានសួរទៅសាក់សីថាតើគាត់ស្គាល់បានឃើញឯកសារនោះដែរឬទេដូច្នេះខ្ញុំមិនឃើញថាមានសារៈសំខាន់អីដែលត្រូវសួរសាក់សីទេពិសេសនៅពេលនោះ Je vais bien poser la question, mais on connaît déjà la réponse, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez déjà vu ce télégramme, Monsieur le Président? ចុងឆ្នាំ 76 ហ្នឹងបងខ្ញុំគាត់អ្នកជាប់ធ្វើពួកខ្ញុំជាប់បើកឡានចំនួនហ្នឹងបងខ្ញុំគាត់មកជួយការងារខាងហ្នឹង Merci. Et lorsque vous avez été chargé d'encoder des télégrammes, vous avez dit que votre sœur a travaillé avec votre père pour une courte période sur les télégrammes. Par la suite, lorsque vous l'avez fait, est-ce que vous reconnaissez sur ce télégramme la façon dont votre père s'adressait à Noun Chia? Merci. Au point 2 de ce télégramme, il est indiqué ceci. Je sais que nous avons désigné l'équipe chargée des affaires commerciales pour l'impère. Camarade Chun la recevra. Chun, C-H-U-O-N. Est-ce qu'il s'agit bien du même camarade Chun dont vous avez déjà parlé auparavant, tout des membres du comité de commerce du secteur 105? ដំណើរការសម្រាប់ថ្ងៃនេះអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសម្នាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសម្នាការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកនៅថ្ងៃពុធទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2012ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9:00ព្រឹកទៅសម្ងាត់ទៅថ្ងៃពុធថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងបន្តស្ដាប់តកិច្ចកម្មសាក់សី
ផានវ៉ានហៅខំផាន់ហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់សហគមន៍ដើមដំណឹងរដ្ឋនីតិមានថាសន្ធិមនធិ លោកផានវ៉ាន់ការត្រាប់តែខេកកម្មរបស់លោកនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះក៏នឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់តែខេកកម្មរបស់លោកនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដូច្នេះអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកមកដល់តែខេកកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតថ្ងៃពុធទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2012មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រួតមួយជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃអង្គភាពគាំពារសហគមន៍នៅលើជំនាញក្នុងការជូនសហគមន៍រុំនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងដែលគាត់ថានៅវិញហើយនឹងឲ